Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Et salut à tous, c'est Tintin, comment allez-vous? Et bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing d'un vaisseau de la collection officielle de vaisseau Star Trek de Eagle Moss, je le rappelle. Donc je vous avais dit à la dernière vidéo d'unboxing que j'avais reçu deux maquettes en même temps. Cette vidéo, je la tourne à la suite et je vous avais demandé de deviner quel autre vaisseau c'était. J'ai eu la chance, la boîte c'était disposée de façon à ce qu'on ne le voit pas, c'est-à-dire comme ça. Et ben là vous voyez l'USS Enterprise NCC 1701 2009 movie. Je sais, très bel accent anglais. Peu importe. Donc on va ouvrir ce vaisseau magnifique. Enfin pour moi il est magnifique. Alors c'est mon tout premier, donc c'est une issue spéciale et c'est mon tout premier. Donc attendez. Qu'est-ce que je suis bête? On va pas commencer par ça, c'est trop beau. Non, on va commencer par le magazine. Et nous revoilà donc pour étudier le magazine. Dont la texture a un petit peu changé, je trouve. Enfin, c'est plus doux. Enfin, peu importe. Donc, classe Constitution, lancé en 2258, film de 2009 de la réalité alternative, capitaine James Tiberius Kirk. Voilà, bon. Là, c'est le support, ça, on s'en fiche un peu. Ouh, ça, c'est beau. Alors, voyons voir. Classe Constitution, construit. Oui, alors, ça, c'est. C'est particulier, ce vaisseau a été construit sur la Terre. Voilà, si vous n'avez pas vu le film. 1958, l'enceinte. Capitaine Christopher Pike et James Tiberius Kirk. Il y a eu aussi, entre les deux, il y a eu aussi Spock pendant quelques minutes, voire des heures même. Mais bon. Et armes, phaser et torpille au photon. Voici les images de l'intérieur du vaisseau. Ça, c'est le truc qui est au-dessus de la passerelle. Là, c'est le transporteur. Et là, c'est les couleurs que je trouve super jolies, que j'arrive pas à faire sur Minecraft. Voilà, magnifique image. Alors, ceux qui a designé, donc, cette Enterprise, donc, qui s'est basé sur l'Enterprise de la série originale, et c'est un petit peu inspiré aussi de tous les autres Enterprises. Et je trouve que c'est super réussi. Et c'est l'un des premiers à être exclusivement en modèle 3D. Enfin, c'est le premier vaisseau qui a été exclusivement fait en 3D. Et le plus réussi en 3D, je veux dire en haute définition, c'est ça que je veux dire. Et celui qui a créé donc, ce vaisseau, donc, et c'est le même qui a créé le A. Le A de la réalité alternative. Donc voilà, ça c'est la réalité alternative où Nero, avec le Narada, a altéré la suite de l'histoire. Cependant, l'histoire était déjà changée auparavant. Enfin, du moins, c'est ma supposition, parce que, par rapport au Franklin, le Franklin, je doute qu'il ait existé dans l'autre réalité. Il a sûrement existé, mais pas à cette époque-là. Parce que CNX 326, en 2260, alors que... en 2263, pardon, alors que... En 2251, on était au NX-01. Et au NX-04 en 2260. Donc ça paraît pas très logique. Donc à mon avis, ça a été alterné bien avant, mais bon. Peu importe. Voilà. Ah ouais, James T. Kirk. Oui. Oui, bah c'est pas pareil. Oui, bah, il a sauvé la Terre. Et il a triché au test Kobayashi Maru. Comme l'ancien. Donc voilà l'Enterprise.
Donc, ouais. Alors, je cherche le nom. Je ne sais pas. Son nom. Ouais, bon, le réalisateur, c'est J.J. Abrams, très, très grand réalisateur. Sexy! Yeah. Donc c'est basé sur donc sur le voilà c'est voilà c'est ça Scott attends c'est Scott Chum attendez Scott Chambliss ouais ça me paraît juste un peu bizarre c'est lui ah oh, oui c'est lui c'est lui c'est lui oui oui c'est lui c'est lui c'est lui oui c'est lui c'est lui. Ouais. Hein? Ah, Alex Jaeger. Ça, lui, enfin, pardon, c'est pas ça, mais lui, on le connaît, Alex. C'est dans la vidéo précédente, celui qui a imaginé le vaisseau de classe Akira. Enfin, voilà, peu importe, donc voilà. C'est l'une des premières images du projet, enfin, voilà. Et donc, c'est basé sur le vaisseau original créé par Matt Jefferies en 64. Donc, la passerelle. Avec Scott. Je crois que c'est lui, Scott Chambliss. Je crois que c'est lui, mais je suis pas sûr. Alors, une des idées. On remarque bien le design de Enterprise A. Bon, là, pareil, voilà, elle a changé. Hein. La construction. Voilà. Les plans. Ah d'ailleurs, ce vaisseau me fait penser, et je pense que c'est à peu près ça, à la classe Exeter sur Star Trek Online. Vous verrez, hein, je pense que ça y ressemble un peu. C'est comme ça qu'il l'aurait donné à la fin. Voilà. Il est magnifique. Voilà, on va pas tout lire. Hein. Il est gigantesque. Alors, je me suis posé une question. Est-ce que... Parce que beaucoup disent qu'il... Enfin... Beaucoup disent qu'il fait que ce vaisseau fait 4, à peu près la même taille que le précédent Enterprise. Sauf que je ne suis pas sûr parce que pour moi il fait bien plus le double 700 mètres environ parce que quand on le voit il est bien plus gros quand même. Je veux dire il a deux étages bon, comme les autres. Même je crois qu'il a trois étages dans la trois ponts dans la soucoupe. Enfin, je veux dire, rien qu'en regardant le hangar, qui est d'ailleurs... non, on le voit pas ici. On le verra après. L'un des designs de passerelle. Hein. Mais ça, c'est un peu trop futuriste, je trouve, à mon goût. Ça serait un peu plus pour le 26e siècle. Donc, des détails. Voilà. Détails. Et re tout le monde, désolé, ben, problème de batterie. Donc, j'ai dû m'absenter, et puis j'ai eu quelques petites choses à faire. Eh oui, peut-être qu'un jour vous aurez une vidéo sans coupure. On verra. Donc là on a des détails, des plans avec ce qui a les modifications, ce qui a changé tout ça. Voilà. On va pas étudier en détail le texte parce que sinon la vidéo elle dure 50 minutes. Donc ça c'est. Voilà. Ça fait penser un petit peu à une texture qu'on peut mettre sur les vaisseaux de Star Trek Online. Ça fait un petit peu penser à ça. Donc voilà, ça c'est les premiers modèles. Ça c'était des détails du port de la soucoupe. Alors ça, si vous ne le savez pas, c'est des trucs jaunes qu'on voit sur les bandes jaunes qu'on voit sur le bord des vaisseaux. C'est notamment flagrant sur l'Excelsior, le A et le D. Et en fait, ces bords jaunes sont des propulseurs qui permettent de diriger l'Enterprise. Surtout la soucoupe. Donc là, on voit que ce qu'il y avait initialement ici et ici a été enlevé, donc le registre est replacé ici. On note aussi que là, c'est une version, une des premières versions parce que ces petites choses n'y sont plus. Donc voilà. Belle image avec l'Enterprise et le vaisseau de Nero. Ah, intéressant. Là, on voit que c'est. C'est un peu translucide, ça fait un petit peu vaisseau organique, ça fait un peu bizarre, c'est vrai. Je trouve que ça fait bizarre. Voilà l'arrière avec
scène d'éjection. Alors là, là, ils font la comparaison, donc la boule qu'il y a là, l'Ariane nacelle, avec ici la deuxième maquette. Ça, c'est la toute première maquette. Ça, c'est la deuxième. Ça, c'est dans l'épisode The Cage. Voilà, qui est super d'ailleurs. Alors, ça, c'est hyper complexe. C'est donc l'intérieur des collecteurs de Bussard qui est normalement bleu, mais ils ont, voilà, c'était en premier. Ça fait un effet assez spécial. Regardez The Darkness, vous le verrez. Donc voilà, encore des images là, il est en distorsion. Voilà. Ah oui, alors ça, lorsqu'il passe, cette version de l'Enterprise, lorsqu'il passe en distorsion, ces sortes de plaques se soulèvent. Voilà, ça fait joli. Pas demandé pourquoi. Voilà le hangar. Franchement, quand vous voyez la taille de ce hangar avec la taille du hangar d'Enterprise A dans Star Trek V, franchement, vous dites quand même qu'il faut deux fois la taille de l'Enterprise A. Quand même. Bon, la version finale. Alors ça, on reconnaît ici le hangar de l'Enterprise A. Et ici également, là, la partie ici, on reconnaît également le futur coup de l'Enterprise A de Beyond. Voilà l'image qu'on avait en premier. Ah, c'est fini? Ah, d'accord. Et l'Enterprise. Et donc, ben maintenant, je vous propose de passer au plus intéressant, à savoir la maquette. Et nous revoilà pour ouvrir la maquette. Oh, punaise, je suis tellement, tellement content. Elle a l'air magnifique. C'est bizarre, les collecteurs de Bussard transparents. Enfin bon, ce serait joli aussi. Alors, c'est mon tout premier issue spéciale que j'ouvre. Hein. Soyez tolérants, donc. Ah, aussi, il y en a qui m'ont deux. Avant, ah, bon, on fait durer le suspense. Y en a qui m'ont. Il y en a un qui m'a demandé de mettre les sous-titres en anglais. Alors, je vais essayer de les faire pour ces vidéos-là, mais pour les autres, je ne sais pas parce que c'est hyper compliqué. Je vous le dis, c'est horrible. En plus, je ne vais pas avec Google Traduction. Je traduis moi-même. J'ai quelques talents en anglais quand même. Non, je plaisante. Mais je fais vraiment moi-même, donc c'est pas facile. Donc, soyez indulgents. Attention, en vérité. Le téléphone. Non, je plaisante. Voici. Qu'il est beau. Punaise. Alors, le support. Le support. Du support. Ah, j'essaie de l'ouvrir. C'est pas facile avec une main. C'est que je veux pas mettre la caméra statique. Ben, j'arrive pas parce que c'est mon téléphone, j'ai pas de caméra. Enfin, j'en ai, mais elles prennent pas le son. Donc, je vois pas tellement leur utilité. Je vais y arriver. Bon, cette vidéo sera sûrement un peu plus longue que les autres. Mais je pense que ça en vaut le coup. Ah! Voilà. Voilà l'inscription. Hein? Ça a changé. Il y a quoi là? Enterprise. Hein? Ah oui, non, c'est juste plus long. On insère le tout. Voilà. Ouais, je crois que ça m'a l'air d'être bon. Ça, on le verra plus tard. Je dégage sur les sirènes. Et on va s'occuper de cette beauté. Oh, elle est sublime. La boîte, dégage. On n'a plus besoin de toi, la boîte. Voilà. Splendide. Avec tous les détails, les plaques, le registre, le déflecteur en pièces transparentes, les collecteurs de Bussard qui sont bleus finalement, c'est encore mieux. Voilà, à peu près tous les détails. Ah, il n'y a pas le bleu à l'arrière. Bon, tant pis, on va dire qu'il est à l'arrêt. Les nacelles qui sont faites. Les hangars. Wow. Ah. Toute petite erreur qui est dommage. Il n'y a pas le matricule en bas, mais bon, tant pis. Ni le dôme. Ouais, bon, il manque quelques petites choses, mais bon. C'est trois fois rien.
Là, la passerelle. Waouh, il est sublime. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est magnifique. Tellement réaliste. Et franchement, il est magnifique. Ah, il manque les bandes là et les fenêtres. Là, on voit bien par contre les propulseurs. Bon. Donc, bah, je vais mettre sur le support maintenant. Alors, comme vous voyez, ça, c'est métal. Je vais mettre à l'envers plutôt, je vais poser là. Voilà. Donc, la soucoupe en métal, le reste en plastique. Alors, attendez, attendez. Je vais tenter. Je dis bien, je vais tenter de le mettre avec une seule main sur le support. C'est pas dit que ça marche, c'est un succès. J'ai réussi? Oui, j'ai réussi! Voyons voir. Rien, des petites miettes, on n'a rien vu. Magnifique. En plus, le reflet est un reflet brillant comme sur le vrai Enterprise. Et à ce sujet, ben, avec l'autre Enterprise en maquette, j'ai eu un petit accident. C'est-à-dire que j'ai voulu faire la poussière et ben il est tombé. Et il faut que je répare. Et je réparerai ce week-end. Donc j'espère vous sortir la vidéo dans pas très longtemps. On va voir, on va voir. Il est magnifique. Voilà. Alors, comparons avec l'Enterprise D pour voir sa taille. En sachant que l'Enterprise D, c'était jusqu'à présent la plus grosse maquette que j'ai eue. Ah ouais. Il fait une soucoupe de. Même une soucoupe et demie de plus que l'Enterprise D. C'est quand même conséquent. Donc, je suis vraiment très content de cette superbe maquette. Vraiment. Franchement, ça vaut le coup. Ah bon, évidemment, c'est des issues spéciales, donc elles coûtent plus cher. Pour celle-là, j'ai payé 30 euros, sans compter la livraison. Mais franchement, ça vaut le coup. Non, 29 euros, 29 euros celle-là. Ça vaut le coup, vraiment. Donc, si vous voulez une mini version d'Enterprise, achetez celle-là. N'achetez pas les Playmates ou Hot Wheels, surtout pas Hot Wheels. Parce que c'est pas réaliste quoi. Alors que là, vous avez vraiment une version qui est magnifique, réaliste et qui est faite pour être collectionnée. Donc, une collection quoi. Ou alors, faites des maquettes là, ça sera super réaliste. Bon, donc, bah, vidéo. Donc, on va terminer la vidéo. Donc, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé d'avoir fait durer le suspense aussi longtemps. Et donc, bah, je vous dis donc, bah, à la prochaine. Prenez soin de vous et salut tout le monde!